Cette vidéo est en partenariat avec Genshin Impact, mais on en reparle un petit peu plus tard. Hop, c'est parti mesdames et messieurs. C'est parti pour le petit One Piece. Salut à tous, c'est Gil. Bienvenue dans un nouveau One Piece UHC. Et comme à l'accoutumée, je commence par vous remercier infiniment pour les retours sur les premières vidéos du mode de jeu. Vu que je connais pas vraiment l'univers de One Piece, je dis forcément pas mal de bêtises. Mais vous êtes tous compréhensifs et franchement ça régale de fou. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas et que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo finit par vous plaire. Vu le nombre de vidéos qui sortent en ce moment, ça me ferait vraiment plaisir de fou. Alors comme d'habitude, One Piece UHC c'est un jeu basé sur la stratégie. Tous les joueurs de la partie auront un rôle attribué, appartenant à l'un des camps de la partie, exactement comme le jeu du loup-garou. Chaque rôle a ses avantages et ses inconvénients, et c'est pour ça que ce jeu est exceptionnel. Chaque partie est unique. En tout cas, le début, lui, ne l'est pas, puisqu'on commence comme une partie Minecraft classique, en prenant du bois et en partant miner. Et ce n'est qu'à 20 minutes de jeu que la partie va vraiment commencer. Et nous ne sommes pas du tout, Dragon. On est Garp et on est avec la marine, encore une fois. Vous possédez force 1, le jour et résistance 1 permanent. Waouh! Je serai donc Garp dans cette partie. Et je pense que vous n'êtes pas prêt pour la puissance de ce rôle. J'appartiens donc une nouvelle fois au camp de la marine. Ce camp qui ressemble au camp des démons dans DSUHC. C'est-à-dire qu'il y a un chef qui possède une liste complète de tous ses alliés. Ce chef, c'est le Sengoku, qui est ici Skytolls. Et il devra donc nous communiquer cette liste. Attendez, Skytolls, mais c'est le gars que j'ai croisé en cave juste avant là. Attendez. Il faut que je le retrouve absolument. Oh, c'est mon pote! C'est le mec à mon skin! Oh putain, faut que je le retrouve, les gars. Faut que je le retrouve, il était à côté de moi. Cependant, avant qu'on commence, il faut que je vous dise que cette vidéo est en partenariat avec Genshin Impact. On a testé il y a quelques jours avec Hyper et Fuse une reproduction de Genshin Impact sur Minecraft. Et j'ai été vraiment surpris. Si vous ne le connaissez pas, Genshin Impact est un jeu d'aventure et d'exploration en monde ouvert, disponible sur plusieurs plateformes, PC, mobile, etc. Genshin Impact est un monde ouvert fascinant, mettant en scène vos personnages dans le monde de Teyvat. Genshin Impact a été élu meilleur jeu mobile 2021. Il a aussi gagné plein d'autres prix sur plusieurs années, ce qui en fait l'un des jeux mobiles les plus primés de l'histoire. Et son succès est facilement explicable. C'est que sur Genshin Impact, vous aurez toujours quelque chose à faire, car du nouveau contenu sort toutes les 6 semaines, avec récemment la version 2.7, une mise à jour bourrée de nouveautés. De son petit nom, Rêve enfoui dans les profondeurs, ce patch marque l'arrivée d'un nouveau personnage, Yelan, une archère 5 étoiles de type hydro. Cette mise à jour apporte aussi une extension du scénario conducteur principal du jeu, la quête d'Archon, pour vous entraîner plus profondément dans le gouffre, dont vous pouvez admirer la représentation sur Minecraft en fond. D'ailleurs, cette représentation nous a permis de découvrir certains aspects de gameplay de Genshin Impact, par exemple le système de pêche, qui est parfaitement reproduit et qui est absolument exceptionnel. Le jump aussi, qui rappelle l'exploration, et le fait que vous puissiez grimper partout. Mec, il me troll le bloc, regarde. Oh. En tout cas, si ça vous intéresse, la vidéo complète sur la représentation de Genshin Impact sur Minecraft est disponible sur la chaîne de Fuse. On parlera pas du fait qu'on l'a éclaté. Et si vous voulez essayer de votre côté de battre notre score d'ailleurs, je vous invite à tester la map de votre côté. Vous aurez tout en description et je vous recommande vraiment de l'essayer. Vous verrez que c'est vraiment un plaisir à jouer. Et puis une fois que vous aurez testé la map et que vous serez conquis, vous pourrez télécharger Genshin Impact avec le lien qui se trouve aussi en description. Je sais plus exactement où j'étais quand j'ai croisé mon pote, faudrait que j'arrive à aller le retrouver. Je crois que je venais de là-bas, il me semble. Je venais d'où là? Je venais d'ici. Ok, là, et je crois que monsieur il avait creusé à côté, non? Peut-être là. Ah oui, je crois que c'est. Ça me dit quelque chose là, non? C'est là, ici. Et en vrai, mon sens de l'orientation à toute épreuve là. Regardez, hein. Je vais aller le chercher, hein. Je vous le dis, je vais aller le chercher. Hein. Vraiment là, le type, je vais le chercher, je veux qu'il me donne la liste. Parce que si jamais il vient à crever ou quoi, ou qu'il vient jamais au 0-0, faut que je puisse. Salut mon pote. Oh, il a tout compris. J'ai rien besoin de dire. Il a tout capté. Ouh, alors par contre, faut que je fasse gaffe parce que vous allez me confirmer, mais il y a un trait là-dedans, on est d'accord? Y a pas Narco, Nanox, Nagato et tout ça là, tu vas me dire là. On va se faire rouler dessus. Bon, eh ben, visiblement, heureusement que je l'ai retrouvé. Notre cher chef n'a visiblement pas de micro. Du coup, c'est moi qui vais certainement devoir communiquer la liste aux autres. Bah, merci juste à lui, quoi, du coup. Il m'a donné la liste, impec. Attends, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec lui. On est 8 dans la marine? Mais il manque des gens là, non? Ah, et que nous, notre chef, c'est la moitié de la liste et l'autre à la moitié. Ah, d'accord. Du coup, faut que j'aille voir l'autre chef maintenant. Salut. Faut que j'aille voir l'autre chef pour qu'il me donne l'autre partie de la liste. Du coup, c'est ça là, c'est ça l'idée. Si je capte bien. Qu'est-ce qu'il y a mon pote? Je veux dire demande la liste. Demande la liste à ton pote. Ah, le boss. Eh, l'avantage les gars, c'est que au moins là on est sûr que personne nous entend. Mais genre premier degré, personne va nous entendre, personne va nous cramer quoi. Oh oui. Oh oui monsieur. Stein Nanox Dalil. Ça j'aime bien ça. Oh oui, il y a tout le groupe frère. Oh la marine, c'est tout le groupe. Kiruto, Rodak, Zoril, Stein Nanox Dalil. C'est tout le groupe. On est tous ensemble. J'apprends aussi l'identité d'un safe, Rodakin, qui est donc Aikenu et qui possède lui une deuxième liste d'alliés qu'il me communique également, car Skytolls et Rodakin possèdent un chat commun. C'est la particularité de leur rôle. En cumulant toutes leurs informations, on obtient donc la liste complète de nos alliés, que j'ai donc ici. Bah, impec. Et du coup, il y a un traître dedans, c'est ça du coup, on est d'accord là. Il y a le Kuzan du coup dedans. Donc dans tous ces gens-là, il y a le Kuzan. Mais je vous ai dit juste avant que j'avais un safe. Pourquoi? Parce que cette liste renferme un traître. Cette liste contient un joueur qui n'est en réalité pas avec nous. Un joueur qui se fait passer pour un gars de la marine, mais qui doit en réalité gagner avec les pirates, nos adversaires. Une taupe qu'il faudra qu'on trouve. Je rappelle pour nous aider que lorsqu'un joueur de cette fameuse liste fait un kill, nous sommes instantanément prévenus de son pseudo. Et nous sommes les seuls à voir ses messages. Ça devrait nous permettre de nous donner des indications en fonction de qui tu kills.
Haki. Je ne vous ai pas parlé de mon rôle d'ailleurs. J'ai force de jour, résistance la nuit, je possède un pouvoir passif qui inflige un coup critique un coup sur 5 quoi qu'il arrive, donc un coup sur 5 je mettrai le double des dégâts en gros, et de plus j'ai tellement de force dans mes coups, comme dans la vraie vie, que j'ai 10% de chance d'appliquer l'effet blindness à mes ennemis durant 3 secondes à chaque coup. Ça paraît simple comme ça, mais vous allez voir le boulot monstre que ce rôle permet de faire en combat, surtout vu ce qu'il va se passer dans cette game. Mais je vous en dis pas plus. La liste de ton pote comporte un trait, mais la liste du Akenu est 100% safe, donc Nanox 100% safe avec toi. Donc en gros là, à partir de Xoril, donc avant la liste de Xoril, enfin ouais, avant Stain, donc c'est-à-dire dans Balt, Golden Storm, Shadow, Kiruto, Rodakin, il y a un méchant dedans. Ok, donc c'est génial. Bon bah nickel les gars, bah on a juste à miner tranquillou et puis on sort après. Bon, je vais m'empresser de finir mon stuff. Je dois sortir assez tôt pour essayer de choper les poneglyphes à partir de 40 minutes. Ce sont des petits objets qui apparaissent de manière aléatoire sur la carte et qui peuvent nous donner des avantages si on les trouve. Je vais finir mon stuff et on va aller faire les poneglyphes après. Je fais mon casque en fer et je me casse. Ah, je fais méga pull et on va aller au 0-0. Voilà, 15 gap, t'es pas mal. Ouais, c'est cool en vrai, on est bien là. En plus, j'ai un bon rôle avec des bons effets. Allez, 0-0, on va essayer de trouver les poneglyphes les gars. Oh, Dylan. Dylan. Tu veux l'écho d'un road ou pas? Un road poneglyphe, vas-y, on voit. -350, -20. -350, -20. C'est clean, ça pour chercher le One Piece. C'est déjà été pris hein. Il faut qu'on trouve un deuxième road, parce que en vrai là, si on arrive à trouver un deuxième road poneglyph, on peut trianguler pour savoir où le One Piece va popper hein. Donc en vrai on peut faire ça mec, ça serait pas mal. À peine arrivé au centre, Daiko me donne les coordonnées d'un road poneglyph hein. Et c'est super intéressant pour moi. Comme je vous l'ai dit précédemment, ces poneglyphes peuvent nous donner des avantages. Il y a 3 types de poneglyphes et les plus intéressants ce sont les road poneglyphes. Il y en a 3 au total dans la partie qui spawn, mais c'est pas vraiment leur pouvoir qui m'intéresse ici. Ce qui peut me servir dans la partie, c'est que ces 3 poneglyphes sont situés à des extrémités autour du centre. Ils ne peuvent pas être collés. Il est tout simplement possible de relier ces 3 poneglyphes entre eux. Ces derniers se relieront alors en un point précis. Et à ce point précis, un peu plus tard dans la partie, il sera possible de trouver le One Piece. C'est un trésor formidable qui peut clairement retourner la partie. Je vais donc noter les coordonnées du premier road poneglyph qu'on a trouvé. Et si jamais je viens en trouver un autre, je pourrai déjà calculer le potentiel point où ils pourront se rejoindre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle la triangulation. Et c'est ce qui est utilisé en speedrun dans Minecraft pour calculer la position des strongholds à l'aide des lignes que tracent les Eye Offenders quand on les lance. C'est exactement la même chose ici. Eh, ça va ou quoi? Attends, mec, ouais, t'es resté au soleil, putain. Bon. Fais gaffe, mon gars, la canicule là. Et comme en France, tu vois. Oh là là là. Fais gaffe de bien rester sous les arbres, mon gars là. Ça serait con que tu la prennes quand même. Je vais mettre. Non, mais arrête, je vais mettre mon ventilo. Là, j'ai. Eh, l'avantage, c'est que je peux dire que t'es déjà pas rivaux. Non, Dalil de merde. Tous les rôles qu'ils sont en train de clamser. Parfait, on va pile arriver au centre au bon moment, c'est nickel. Bon, faut trouver les poneglyphes là. Personne au 0-0, mec, je suis au 0-0, y'a personne. Oh non! Comment il a été cramé? Il a dû. Oh, il a peut-être donné la liste à quelqu'un et c'est peut-être comme ça qu'il a été cramé, peut-être. Oh non, mec, on est en train de se faire rouler dessus par les pipis. Pourquoi les pipis nous roulent dessus comme ça là? Ah, vas-y, en vrai, grave chaud. Mais pourquoi? Mais il a pourquoi pas de mumble. Il a pas de mumble et il a surtout, pas de mumble et. Je sais pas, ça me donne envie de le taper. Mais c'est quoi ces. Mes frères, ces particules, c'est les particules de. Mais frère, c'est les particules d'un giga méchant quoi en fait. Ah ouais? Bah oui, vraiment quoi, du coup. Hein. Pardon, excuse. Bah vas-y, tuez-le. Bah c'est vraiment les particules d'un méchant quoi. Bah voilà, bien joué. Sengoku et Kenouk sont morts, voilà, ils ont plus de liste. Ils ont plus de liste, bien joué à tous. Bah ah, alors, on vient de le tabasser à l'instant parce que ce monsieur avait des particules en fait. Littéralement, enfin il avait les particules aux yeux tous quoi. Et il était pas sur Mumble, mais surtout parce qu'il avait des particules quoi. Ouais, du coup, ouais, non, mais, je veux voir. Skytales, il était à la dernière game, il avait pas Mumble encore. Merde, j'ai eu ça. Ça va pas la tête. On me dit dans mon oreillette que Dragiox est kid. Il est safe. Enfin, des petits groupes les gars. Ouais, il faut les faire. Et vous avez d'autres infos sur la game ou pas du tout? Bah, pas du tout. Le gars juste arrivé avec ses particules, on a juste des trucs. Nanox et Stain Ouais. Ouais, Nanox, Stain et Nagato voulaient les suivre. Moi j'ai croisé quelqu'un tout à l'heure, c'est la patate suprême. Et il se dirigeait, je crois, genre vers vraiment une direction précise. Quoi? Ok. Je sais pas. Bah, il est peut-être trop le solo lui. Non, non. Okay. Ah ouais? Bah écoutez, je crois qu'on va vous laisser peut-être. Et on va partir, je crois. Aïe. Ah, je suis sûr. Aïe. Ah mais rôle solo, ouais, c'est même pas rôle solo, il frère. C'est barbe blanche ça. Ah c'est barbe blanche. Eh, moi je propose, on leur laisse, on va faire notre groupe. C'est bon, moi je repars, je fais mon groupe. Entrez. Parce que en début game, j'ai croisé Xoril et Amine qui s'éloignaient du zéro et qui disaient qu'ils se faisaient confiance parce que apparemment Xoril ou Amine a trouvé le rôle de l'autre. Et aïe, 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 c'est bon. Et que je m'en doute. J'attends pas. Hein. On est un peu dans la merde là. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète. Là, je suis obligé. Hein. T'as eu la liste ou pas? Non, j'ai pas eu. Moi, je l'ai vu en cave, je l'ai trouvé en cave, c'est pour ça. Oh putain, j'ai cherché aveuglément. Bon, on va être cramé. Hein. Ne gaffe pas, ne fais rien, ok? Ah ouais. On va juste retourner après au calme. C'est quoi le bloc qui vole là? Pourquoi il y a un bloc qui vole au fond? J'en ai aucune idée, il y en a plus qui bloque. Viens, on se casse, viens, on se casse. Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est lui qui a activé. On peut sortir de là au moins? Oui, sûrement. What the fuck? Toi aussi, tu sautais à l'infini. Oui. Ah, mais oui, c'est lui qui a activé du coup ça, ok. Du coup, j'aimerais bien avoir la liste. En fait, le problème, c'est que il y a un traître dans notre camp. Et oui, il y a toujours Akuzan. Ouais, et ça peut être potentiellement toi parce qu'en gros, il y a deux listes, tu sais, en gros, il y a deux parties de liste. Et toi, tu figures dans la liste où il y a un potentiel traître.
Ah merde. Du coup j'ai pas envie de me dévouer mais bon. Non mais t'inquiète, je vais te donner dans tous les cas une partie de la liste au pire et je te donne l'autre après. On va faire comme ça okay. Moi si jamais t'es méchant tu vois. Mais comme ça au moins t'as déjà une partie. Déjà tu peux noter Stein Nanox du coup. Je m'en doutais. Voilà, Stein Nanox. Je vais mettre un panneau parce que l'autre jour on s'est fait suivre en invisible donc j'ai pas envie que ça arrive. On va se mettre là mec, regarde. Hop, on s'intéresse 2 secondes. Tu vas te mettre en sneak et je vais t'écrire. Dans ces gens-là, il y a un traître. J'attends juste qu'ils me disent là. Il y a la liste qui traîne énormément avec. Comment il s'appelle ? Qui t'a dit ? Le dernier de la liste là. Ouais. Il traîne énormément avec. Comment il s'appelle ? Amine. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Donc ils se font bizarrement confiance. Tu veux qu'on tente le tout pour le tout, on retourne au zéro en vrai ? Vas-y. Tu peux t'enfuir toi avec ton rôle ou pas ? Ça va, j'ai de quoi faire. Ouais, bah écoute, vas-y, hein. On va essayer d'aller trouver nos potes. Hein. Ok. Ça y est, les autres ont commencé à passer à l'action. On va tenter, vas-y, viens. Là, pour l'instant, il n'y a aucun marine qui a fait de kill. Hein. Bah, lui, tu l'avais pas, du coup. Vous êtes parti des gens que je devais te donner. Ah, mais au pire, je te donne les derniers. Vas-y, frère, c'est bon. Hein. Vas-y, je te mets les derniers, c'est bon, ça m'a saoulé. Oh, Nanox, Stein Nanox. Salut. Ouais. Hello. Je dis juste, si loin de P6 spawn, on a les cours. Hein. Ok, bah, nous on a fait un kill, mais du coup, bah. Vous, ouais, vous avez pas la liste, je suppose. Non, si, on l'a. La liste, c'est la ligue surtout. Comment ? Pourquoi ? Je sais pas, mais on est cramé apparemment. Ouais, bah en fait, genre donc on est passé devant un groupe et ils sont cramés. Comment ça la liste à leak ? Bon, c'est la sauce là. Akeno et Sengoku sont morts ultra tôt. Apparemment, la liste de nos alliés aurait fuité, ce qui est fortement problématique. Heureusement que j'ai retrouvé le chef en grotte. Ça sauve la game vu que j'ai la liste. On a un groupe de T4, go France 0. Hein. En vrai, ouais, moi j'ai un bon rôle là. On a pas d'infos sur les rêves, non. Les gars ? Eh salut Matt, ça va quoi ? Je suis avec vous. Ouais, on se joue, je sais. Après on est 4, hein, fais gaffe. Je vois où ? Y'a Sunpear ! Oh ! Ah, y'a quelqu'un. Je le vois ? Bah il est en face, ouais. Il court qui ? Tu cours quelqu'un ? Il est tombé sur un groupe. Il y a tout un groupe en bas. Eh, quand vous voulez, en vrai, rien à foutre. Allez hop, salut ! C'est bon. Vas-y. C'est bon aussi. Je suis en train de me faire éclater là. Ah, ok. Vas-y, on le tabasse. Aïe. C'est moi le fou. Aïe. Vas-y. Tu vas plus beaucoup de vie. Vas-y. À l'aide. À l'aide. Bon, vas-y, il toi. À l'aide. À l'aide. Oh, Stein est mort. Allo, y'a Guy, les gars. Guy, les gars, les mecs, allo. T'es bien ? Non, je suis pas bien. À l'aide. Ouais. En bas. On arrive. Comment tu meurs jamais là ? Je vais péter les plombs. Il va se barrer. Pourquoi ce rôle de ouf là ? La liste a leaké. Ouais, j'ai entendu ça là, un panneau qui a été posé. Non mais après le Sengoku il a pas fait d'effort mais je sais pas comment la liste a leaké par le Kenu, je t'avoue. Écoute-moi bien, descends maintenant. Ah derrière. Vas-y, je suis là mec. Les tabasses mon pote. C'est bon, t'inquiète, vas-y, c'est bon. Vas-y, recule, ils font mal. Recule lui, il doit être pas long. Ah bah ça tombe bien. Bon, ah, enfin frère, okay. Ouais mais de ouf il mourrait jamais mec hein. Je pense qu'il y a une amie. Samsumu. Elle se fait respawn, tu les dragons. Tu vas retourner. Mais... Quoi ? C'est quoi ça ? Non, normal ça ? Clone. What ? Attends, c'est son clone, Viens. Il a respawn, il est dragon en fait. C'est pour ça il est en cotant. Ah, donc on attaque les révolutionnaires. Le vieux dragon. Bâtard. C'est lui le vieux dragon de merde qui met des canicules depuis tout à l'heure. Et on en a tué aucun ? Non, du coup non. Eh, j'ai perdu 9 gapoles. Très content. Très content. Salut mon gars, tu peux revenir avec nous si tu veux. Ah oui. Alors, Tribal, Shido et Mark sont pas avec nous. Ah bah, de toute façon, ça dans tous les cas. Ah, mais t'as pas la liste ? Non, mais j'étais avec Matt, on avait tous deux pas la liste et on s'est fait rush par les pirates. Bah, du coup, Balt est méchant. Ah, si y'a Balt avec eux, oui, bah du coup, c'est Balt le cousin du coup. Ouais, tiens. Attends, Vali, on est ensemble, mec. Hey, t'as pris mon or. Eh, les gars, vous voulez pas reculer ? En vrai, 40 secondes, venez, on se casse 40 secondes, s'il vous plaît. 40 secondes, s'il vous plaît. Dans 40 secondes, je peux fight. Let's go. 40 secondes, je peux fight. Ok. J'ai force, donc. Oh, One Piece, on y va ? Oh, alors ça j'aime bien. Vas-y, on te suit, mec. On se poursuivre. Hein. Oui, on se poursuivre. Il faut qu'on les tabasse dans 20 secondes. Je peux fight quand vous voulez. Ils sont plus, il est dragon, hein. Bon, au moins on a le traître, mais on est plus beaucoup. Un peu chiant, ouais. Oula, va falloir faire un big détour. Vous les avez calculés ou... Ouais, c'est bon. Bah, on va pas te brouiller, on le suit, on va aller chercher le One Piece. Hein. Le One Piece, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est la croisée de tous les road poneglyphs. On a eu, enfin, eux, ils ont trouvé plein de road poneglyphs, du coup, il a pu calculer les coordonnées où le One Piece va spawner. Et le One Piece donne à peu près 30 blocs d'or. Donc, ça veut dire que, honnêtement, on a tellement de gapple, quoi. On a 30 gapple. Ça, on le prend direct. Hein. J'espère qu'il arrive à nous suivre, Shido. Surtout ça, le truc. On va suivre Nanox, on fait pas de bruit. Les gars, parce que là, s'ils nous croisent, c'est la fin du game là. Zadrof, il est avec Kiruto justement. Ouais, mais Kiruto, enfin, genre, toi tu le connais Kiruto ? T'as vu, ils restaient bien ensemble. Ouais, je ouais, pense c'est, que c'est eux. Forcément hein. Eux. Hein. Et il a un Moshi, frère, c'est un arc. Il tire automatiquement la flèche sans avoir besoin de bander l'arc lorsqu'il.
Oh ouais non. Ah là, Chobax frère. Ouais, ça y est frère. Ok, c'est barré, il a fly là. Kiruto. Eh, on a un truc à... Il peut fly l'autre hein, en tout cas. C'est Kaigi les Nanox ici. En vrai frérot, ouais. Ça te dit pas genre... Hey, on peut. T'es parti où? Mais il pète du Nanox. Ils sont 3, hein, ok, ok. Allez go, on y va. Bah ils sont juste là, ils nous tapent un mec hein, ils nous fight. Oh, c'est quoi ces dégâts de ouf? En gros les dégâts, il 2 coeurs et demi le coup. Ah mais il est cousin le mec derrière. Le seul gars, frère, à qui j'ai donné la liste, c'est le Kuzan. Au niveau gap, là, c'est chaud, là. Le One Piece, ça mettrait vraiment bien dans les masses gap. Moins 15, moins 29. Moins 15, moins 29. Et quoi, c'est ça? Moins 15, 20, moins 29? Moi, j'ai ça. Moins 15, moins 29, là, j'ai. Moins 15, moins 29, j'ai. Attention, dans 10 blocs devant, on va savoir si c'est là ou pas. Moins 15, moins 29, attention. Ok. Et voilà! Voilà, de rien pour le calcul les gars. Et là c'est absolument incroyable. On a réussi à trouver le One Piece. Ce trésor formidable qui nous donne un nombre hallucinant de blocs d'or. Et ça vient totalement sauver la partie. Alors que nous ne sommes plus que 3 avec Nanox et Balt qui est infiltré dans un groupe. Tout n'est pas encore perdu. Fais toutes les trucs. On voit tout mec. En gros, Narco, il est marine mais il est infecté par les Revo. Et le Revo c'est Daiko. Je peux fight si tu veux là, on a perdu pas mal de temps mais en vrai c'est bon on l'a trouvé. Oh ouais c'était worse hein. Ah bah franchement pour 30-40 gapple ouais. Surtout je gagne 20% de force avec le truc. Ah t'as récupéré ton truc toi? Enfin t'as récupéré ouais. Le truc hier? Ouais j'ai récupéré le plumbing. Putain c'est énorme, c'est cheaté comme truc. C'est putain de Kiruto de merde. C'est Kiruto de merde ou Chobax? Quel fils de pute. Il m'avait enculé mes oreilles. Ouais mec, Kiruto de merde là. Je te jure, quel enculé. On meurt je crois. On meurt tous les jours je crois là, non? Deuxième One Piece d'affilée que je trouve. Ah, du coup, t'as 20% de force en plus là. C'est moi qui l'ai. Non, c'est Gil. Ouais, ça c'est pas Il est garde, c'est mieux. Vas-y. Allez, ouais. Vas-y. Eh oui, on tabasse. Pas, vous, hein, vous êtes perdus, vous. Vas-y, on le tabasse. Par contre, ils font trop mal. C'est quoi? J'ai failli dropper Daiko là. Non, pas du tout, frérot. Mais comment tu meurs pas frère? J'ai strength et tout. Un pouvoir, ça a drop Nanox. T'as tapé sur Nanox depuis tout à l'heure. Ah ouais, je peux pas le savoir, ça prévient même pas ça, c'est broken. Ah bah c'est mon pouvoir hein. On est sympa. Ouais, non, sans blague. Déconner. Ah ouais, vous êtes tous méchants là. Bah non du coup non. Oh, oh oui. Vas-y Balt. Ah non, ok, ah Balt, t'es méchant. Vous êtes combien là? Non non, on est 3 déjà, 3v3 on était. 3v3, ok. Non mais parce que Nanox est en train de se fight contre Narco. Oh mais mon saut il bug, ça pue sa mère Minecraft. Ouais, oh le poison de Magellan c'est affreux genre. Ah, ouais, ah tu me l'as mis du coup. Je vais me mourir. J'ai tué. Ouais. J'arrive, hop. Non t'inquiète. Ouais c'est beaucoup trop fort son poison. Désolé ça bug énormément. Ok. Faut récupérer les gaps hein. T'as eu le One Piece? Ouais, on a le One Piece. Bah, Nanox vient de le donner toutes les gaps à Narco du coup là. Bon, bah là, mec, c'est chaud là. Ouais, surtout que Narco a un bon rôle. Hein. J'ai pas failli de la game. Oh, encore des gens. Encore des gens. On pourra jamais rien faire. Hein. Ah, c'est là où j'ai tué Kaido. Oh, je suis tombé. Je pense qu'ils vont jouer à Super. Tant mieux, de toute façon, je suis seul, non? Dans le, je suis là. Quoi ce pouvoir de ouf? Attends, quoi? Mais comment il a pu me sauter dessus comme ça là? Oh, le soldat vient, je crois. T'inquiète. Ouah gros, ils mettent des slowness, blindness, tout ce que tu veux là. Ouais, c'est poison aussi. Attends, je vais faire un truc de ouf. Mais c'est fort, Sanji. Ah, là il est. Oh, t'es à pouf. Il y avait un casse-toi, mec. Mais des fois tu fight. Faut qu'on aille au zéro, qu'on trouve les autres là. Faut que les putains de Revo jouent là, s'il vous plaît, monsieur. Vas-y, cours. Où sont les Revo, merde? Je les ai pas eu l'œil. Mais oui, ils foutent quoi, frère? La patate et tout là. Ouais, qu'il se bouge le cul quoi en fait, ça serait cool là. A la place de mettre de la neige là, venez jouer en fait. Alors t'as validé. Vas-y. Check. T'inquiète. Tu peux le tuer. Ouais, bien sûr, je vais le tuer. Vas-y, encore. Vas-y. Continue. Mort, c'est pas bien. Les gars, venez. Aide-moi. Guiguise. Ouais. Enfin, c'est pas moi qui l'ai eu, mais. Aidez-moi. Non. Mais aide-moi! Il est un bon rôle? Non, les gars, arrêtez, s'il vous plaît. Non, mais il est là! Mais aide-moi, putain, je pète un câble, gros! Excuse-moi, frérot, mais j'ai entendu, il est mort! C'est bon. C'est ma faute. Ah là là. My bad. Let's go, Balt! C'est ma faute. Let's go! T'as trop bien joué! Toi aussi. Incroyable combat et teamplay! Nous venons de gagner un combat en 2v3. Tout n'est pas encore perdu, nous pouvons le faire! Ah bah, faut jouer avec nous, hein.
Bah, je le sais très bien. Bah, alors, je dirais pas bonjour. Bah, viens, on va au 0 et on se fight. Y'a des gens derrière nous là. Allez, go, go, on stop. Go, go, go. Et c'est de l'absent run, on est d'accord. Ouais, allez, hop. Ouais, c'est quoi ça? Vas-y, vas-y, on le tabasse, on le tabasse. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y, il toi, Bolt. Viens, on va aider les. Chug, en vrai. Jugement, juste chug. Je suis encore à 9 coeurs, les gars, ça va. Ah oui, mais ils sont là. Bah, ça là. Non, Gil, tu m'auras pas. Tu peux boost ou quoi? Bien sûr, je peux. Peut-être. C'est bon, vas-y, vas-y, on t'aide. Barre-toi, train. Je sens merde. Voilà. Je sentais la couille arriver là sous l'arbre. Attends, mais il est pas mort notre mate quand même. Non. Oh, si. C'est lui qui m'a mis en feu là. Marco a très bon. Oh, trop mal, Gil. Ah, le One Piece c'est abusé. Non, mais c'est pas moi qui l'ai eu, frère. Hein. Bon, One Piece. Non, c'est pas moi, c'est Nanox qui l'avait. On n'allait pas vous le dire. Hein. Ah, voilà, c'était vraiment Nanox. Ils sont à deux sur moi. T'arrêtes, je suis désolé. C'est vrai que tu voulais fight en fait. Mais en vrai, oui, on peut. J'ai mon pouvoir, je peux me barrer. Non, on peut les fight, hein, juste. Bah, j'ai plus de heal. Hein. Ouais, de toute façon, on peut pas parce qu'on se fait 2 et 3. Bah, je joue pas complètement avec vous, c'est un peu interdit. Pas plus. Bah, après, tranquille quoi. Toi aussi, hop, cadeau. Putain, t'as trop bien joué là, hein, sur le. On a gagné le 3v2 quand même, hein. Oui, ils sont derrière. Mais. Les gars, j'ai un mid-cœur. Oh, ouais, oh, je vais le kill. Contre Jox. Je l'ai eu. Vas-y, prends le gap. C'est moi, voilà. Après, c'est pas grave. Je suis tombé contre. De toute façon, faut qu'on joue ensemble là, frérot. De toute façon, faut qu'on joue ensemble là, on a pas le choix. Bah, là, je crois que ça va être difficile. Bah, j'ai surtout pas mon item quoi, à la limite, j'aurais mon item hier. Go maintenant. Okay. Oh, il est mort, il y a des gens à gauche. Ah, allez, on vous pète en deux là, c'est bon frère, maintenant là, on en parle plus là. What? Si vous voulez, ou là. Ouais, sur 3. Et. Eh ben voilà, plus barrière, tu vois, j'avais raison, tu vois. Mais il est juste rigolo, je pense pas, il est. Ouais. Non, on est d'accord, t'es pas dragon? Non. Ah, voilà. De toute façon, on va vite le savoir, parce que là, je vais le tuer là. Aïe. Oh, les combos. Oh, attends, c'est quoi ça? Vas-y, vas-y. J'ai détruit le. Plus barrière, il a plus barrière, il a plus de vie. Ouais, j'ai plus de vie. Mais frérot. Oh, non, mais t'inquiète, hein! Je suis full vie, hein! Touche le sol, il va venir nos clean up, il va venir nos clean up. Ouais, et surtout qu'il y a une hardcore et trait qui est en train de sucer les troncs d'arbres. Moi aussi, j'en ai sucé un tronc d'arbre. Moi, je me prends d'autres pas le tronc d'arbre. Wow, frérot, là! Qu'est-ce que tu dis là? Avec ton serveur là! Attends, l'autre il nous clean là, du coup là. Attends, vas-y. Bon, bah, pas de gap, pas une seule gap. Viens, on va le tuer. Tu veux pas m'aider? Oh mais frérot, c'est bon, attends, t'as récupéré toutes les gaps là, il a récupéré 40 gapoles. Oui d'accord, t'as eu les deux kills quoi, d'accord. Et Nars qui... Mais attends, il a pas tué plus barrière frère. Il a même pas réussi son 1v1. Mais du coup, est-ce qu'il a pris les gaps ou pas? Oh là. Bah attends, mais... J'ai pas eu les gaps les refs. Attends, mon ref là, Balt. Ouais, attends. Moi j'ai rien contre vous maintenant, c'est bon, moi je m'en vais. Bon, j'ai récupéré 0 gapoles. Bah oui, bah après frérot. Il est 0 en 2. Oui, mais on a pas le choix de fight là. Ouais, bah oui. J'ai touché 3 flèches. Ouais, mais là faut taper à l'épée, mec. Pardon, bah, pardon, excuse-moi, vas-y, viens, on tabasse. Ouais, il est sur son trail. Je suis en bas. Ouais, t'inquiète. Je suis deux, en bas. Ouais, vas-y, je suis là. Y'a un arme. Ah, c'est quoi ça? Ah bon, j'avais pas compris, mec. A l'aide! Ouais, moi aussi, moi je suis mort. Ouais, mais après, frérot, il gap, mais tu nous as kiné juste avant quoi, donc. J'ai mis deux coups d'épée, ça. Bien joué. Bah frérot. A l'aide, il faut que vous nous aidiez. Salut la mif, qu'est-ce qui se passe? Faut que vous nous aidiez, c'est maintenant là. Ils vont gagner, ils nous ont détruit le fight en fait là. Ils nous ont détruit. Pourquoi j'ai pris un micœur là, le dégât? C'est la mif, c'est la mif. Voilà, c'est loose hein, je pense. Ouais, on aura fait ce qu'on peut au moins. Ah bah oui, là on aura tout donné mec hein. Allez, deux cœurs. Un cœur et demi. En vrai, c'est winnable. Un cœur. C'est winnable. C'est plus winnable. Et bon, c'est bah terminé. Bon bah faut y aller maintenant, même si t'as pas tes effets, faut y aller hein. Ah bah c'est surtout que je vais juste mourir de la canicule là. Ah bah, bon, on a perdu. À moins que le Yamato ait pris solo. Et... Oh ouais les gars, c'est chaud. Oh GG. Putain, c'était close là, close.
Oh, t'as pas d'âme, Trail, frère. Ah, t'es close, là, pour le départ de la marine, ça, elle était close. Et malheureusement, c'est vraiment pas passé loin. Quelle partie, n'empêche. Quel combat épique. Et on a trouvé le One Piece en plus. Aucun regret, on a tout donné, on pouvait pas faire plus. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, comme d'habitude, je compte sur vous. Un petit commentaire aussi si vous voulez aider au référencement de la vidéo. Et puis, comme d'habitude, un petit abonnement, ça paye pas de mine, c'est gratuit. Et c'est le soutien principal de la chaîne. Juste un petit mot par rapport au placement de produits. Vous savez que je suis pas vraiment fan d'enfer, mais je suis obligé actuellement pour financer la cité qui arrive pour vous bientôt en juillet. Alors j'espère que vous comprendrez. Sur ce, plein de gros bisous, et n'oubliez pas de venir voir la cité qui est en live sur Twitch tout de suite là!